Pamela, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une recette salée et pas n'importe laquelle. Si je te dis Alsace, lardons et crème fraîche, tu me dis flammenkuchen. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Allez, c'est parti pour les ingrédients. On a besoin de 250 g de farine, 25 ml d'huile neutre, une pincée de sel, 15 centilitres d'eau, 200 g de lardons fumés, 2 oignons, 200 g de crème fraîche épaisse et 100 g de fromage blanc. Dans le bol du robot, verse la farine avec un peu de sel. Mets en route le robot et ajoute l'huile et l'eau au fur et à mesure. Pétris jusqu'à obtenir une pâte homogène. À l'aide d'un rouleau, étale la pâte le plus finement possible. Tu dois obtenir une pâte très fine comme ceci. On passe maintenant à la garniture. Hache les oignons. Il est très important qu'ils soient hachés ou émincés le plus finement possible. Ensuite, tu les mets de côté. Dans un saladier, mélange la crème fraîche et le fromage blanc. Assaisonne de poivre et d'un peu de muscade. Étale le mélange sur toute la surface de la pâte. Dépose les oignons et ensuite les lardons. Tourne la tarte pendant 8 à 10 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés et termine sous le grill pendant 5 minutes. Est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la tester chez toi et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!